Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Game06. Donc les amis, aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu Gran Turismo 7 et les potos dans cette vidéo. Et ben écoutez, on est parti pour claquer un petit peu de thunes. Comme vous voyez, j'ai un peu de sous, j'ai 8 700 000 balles, bon c'est deux fois rien. Hein. Les potes, dans cette même vidéo, et ben je vais tout simplement acheter l'intégralité des voitures d'occasion. Voilà, je vais acheter toutes les voitures d'occasion. Voilà, je vais tout acheter les gars, je vais vraiment tout acheter. Donc on va pas regarder les sous. Et bah, on va claquer de la thune. Allez les gars, on est parti avec la petite Sylvia. La QS S13 de 88. Bon bah écoutez, 34 000 balles. Bah on achète. Allez, on achète 34 000 balles. Voilà. Comme vous savez, je n'ai pas encore énormément de bagnoles. Je n'ai quasiment encore rien acheté, mis à part quelques petites voitures par-ci par-là. Donc les gars, on va essayer de faire monter notre niveau de collectionneur. Allez, on est parti, on achète. Yes, donc ça c'est c'est validé. Ouais, normalement c'est bon. Ah, on peut en acheter plusieurs fois ou quoi? Ah, on peut en acheter plusieurs. Ok, je savais pas, c'est la première fois que j'achète une voiture d'occasion. Alors maintenant, on va acheter celle-là, la petite Abarth de 85, les potes. Bah, un an avant ma naissance, j'ai envie de dire, moi je suis de 86, donc 31 000 balles. Allez, on claque, 31 000 balles. Yes! Ok, super. Donc, une fois de plus, on monte notre niveau de collectionneur. Bon, ça monte pas ouf, là, avec les voitures qui coûtent pas cher comme ça. Ajouter au garage, ça c'est cool. On continue avec une Abarth un peu plus stylée, un peu plus récente, on va dire. 23 000 balles. 135 chevaux, c'est pas mal. C'est la même puissance que ma voiture perso. Donc, ouais, pas mal, pas mal. Allez, on continue. Boum, on achète 23 000 balles. Ok, donc ça c'est cool. Ça peut être sympa. Ces petites voitures, c'est vraiment des kartings. Et bien remonté, je pense que ça peut être sympa. Donc à tester, à tester. Les gars, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo et à me dire dans l'espace commentaire quelle voiture vous aimeriez que je fasse dans la prochaine vidéo. Ça sera une vidéo un peu test, customisation, tout ça. Et puis on fera des circuits, de la pointe pour voir un peu la voiture, à combien elle monte, tout ça. On la personnalisera bien évidemment d'un point de vue moteur, histoire de la booster. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. Allez, là celle-là, la petite Corolla à 48 000 balles. Allez, on achète. Voilà, une voiture de plus dans le garage. C'est cool. Super. Yes. Bon, là, par contre, là, c'est pas la même cam. Là, on est sur des voitures américaines. La Firebird, 87 000 balles, hein, quand même. Donc, c'est pas donné, mais bon. c'est deux fois rien quand on voit les voitures, le prix des voitures légendaires. Hein. Combien? 223 chevaux, tout de même. Ok, ok. 1 tonne 6. Bon, 87 000 balles. Allez, on achète. Boum. Les gars, je vais tout acheter. je vais tout acheter. Heureusement qu'on a des voitures pas trop chères. Ça me permet de garder un peu de sous quand même. On sait jamais si je vois des pépites. Ok. Donc là, on a une Honda S800 à 47 000. Là, il y a 69 chevaux. Ok. Allez, on passe. Vite. bah, après, c'est de la voiture de collection, les potes. Hein. Franchement, c'est sympa quand même. Une voiture comme ça, ça fait plaisir. Allez, hop. Ok. On continue. Là. La Civic type R. Alors, je me demande si je la pose, c'est pas celle-là. Bon, c'est pas grave, on achète 57 000 balles. Alors, je sais pas encore si on peut revendre les voitures. Si, par exemple, on a une voiture en doux, je sais même pas si on peut le faire. Enfin, je pense... Oui, oui, il me semble que dans une mise à jour, ils ont dit que ça viendrait ultérieurement, qu'on pourrait revendre des voitures. Donc, bon, bah écoutez, on verra. Là, on a encore une Abarth, la 595 S de 70. 31 chevaux! Waouh! ça, il y en a sous le capot. Allez, 47 000 balles tout de même. Hein. Bon, après, ça, c'est une voiture de collection. Hein. Ok, super. Allez, on continue. Yes! La Golf GTI, la Golf 1. Pas de 83. Ça, c'est cool. Ça, c'est une voiture. Par contre, j'aimerais bien, bien tester et customiser. Mais bon, après, voilà. À voir ce que ça donne. Allez, 43 000 et 112 chevaux. Hein. On le voit dessous. Yes! Ça, c'est sympa. J'avoue, ça j'aime bien. Ok, c'est cool. On continue. 138 000 de crédit là. BM 3 litres CSL de 71. 180 chevaux. Ok, ok. Bon, bah allez, 140 000 balles, on achète. Ça marche. La fabuleuse coupée de BM. Hein. Ok, dans les années 1960. Je vous avoue, je ne la connaissais pas celle-là. Mais elle est bien sympa en tout cas. Allez. Ok, ça marche. On achète. Yes. Sympa. Elle est sympa. Ok, une voiture de plus dans le garage, les poteaux.
on étoffe un peu la collection, on va dire, hein, parce que c'est vrai que depuis, j'avais un peu pinaillé à ce niveau-là. Une Ferrari à 169 000 de crédit, la GTB de 75, 255 chevaux, pas mal, pas mal. Bah allez, on achète cash, voilà, boum. Putain, j'aimerais bien faire mes courses comme ça dans la vraie vie, hein. ça ferait plaisir, ça ferait vraiment plaisir. Là, on a une 911 turbo, voilà, bon, 219 000, qu'est-ce que c'est les gars, des broutilles, allez. 300 chevaux, bon, on achète. on achète. Les gars, vous la connaissez celle-là? Allez, boum, voilà. Bon, après, je fais le malin, mais voilà, comme j'ai dit, c'est des voitures qui valent pas très cher. Parce que quand on voit les voitures à 8 millions la voiture, bon, hein, on s'est compris. Bon, ça, par contre, ça, oh, ça, je kiffe. Lancer Evolution, bon, ça, je kiffe vraiment. 4 roues motrices, ok, 316 chevaux. Hein. 179 000 de crédit. Allez, on achète. On achète. Bon, tellement bien fait en plus. Ce jeu est tellement bien fait. C'est hallucinant. Alors, on a une Integra type R. 57 000 de crédit pour 200 chevaux. On achète une fois de plus. Voilà, les gars. Voilà, on se fait plaisir. Là, dans cette vidéo, je me fais vraiment plaisir. Je claque de la thune. Hein. Et on prend un petit niveau supérieur. C'est cool. Oui. La Celica GT four. Alors, la Celica GT, ok, mais four, je sais pas pourquoi. 254 chevaux, 68 000 de crédit, on achète les potes, on achète. Bon, franchement, on achète des caisses assez sympas, j'ai envie de dire. Je vous avoue, je regarde même pas les kilométrages, tous les trucs là, hein, on s'en fout. Sirocco, ça, j'aurais bien aimé acheter. Ça, ouais, ça m'aurait fait plaisir. Là, on a encore une Lancer, les potes. C'est pas tout à fait la même, elle est plus vieille de 1 an celle-là. 75 000 de crédit, 311 chevaux. Allez, boum! C'est pas mal, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien ces caisses. Ça allait sous Warou, moi je suis à l'ancienne, les potes. Hein. Je kiffe. Pantera de 71. 173 000 de crédit, hein. 330 chevaux. On achète. Ah, pas de voiture, pas de vie. Petit trophée obtenu, c'est cool. Allez hop, yes. Là, on a une R32. 311 chevaux. Ça, c'est voiture que je kiffe aussi. Hein. Et allez, voilà les amis. Boum. Bon, bah ça, je pourrais pas l'acheter. Ça, je peux l'acheter. SLS, AMG, voilà, bon. Des broutiers, les gars, des broutiers. 578 chevaux. C'est cool. C'est cool. Ok, super. Voilà. Ok. Ok, donc ça, une 900 GT3. 142 000 de crédit. Franchement, c'est stylé, quoi. Les gars, une petite question. Comme je suis encore un noob là dans tout ce qui est achat de voiture d'occasion, tout ça. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un logo, un icône qui dit par exemple qu'on possède déjà la voiture, histoire qu'on n'achète pas des doublons. Si vous savez ça, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, les potos, je compte sur vous. Allez, 434 chevaux, 142 000 de crédit, on achète. Bon, je suis plus qu'à 6 700 000 là, hein, de crédit, hein, ça descend quand même pas mal vite. Hein. Mais bon, avec la méthode de farming, ça monte aussi pas mal vite. Ok, bon là par contre, celle-là, elle fait extrêmement mal aux fesses. La Countach. 700 000, bon, ben voilà, ça me fait une course, hein. Ça me fait une course de farming quasiment, 450 de chevaux, ouais, on va voir vite fait un peu ce qu'ils nous disent sur voiture, hein. On va profiter parce que là, elle vaut cher, 25e anniversaire édition, ok, sorti en 1988, l'excellence de Lamborghini, ça marche, sa refonte a été hein, supervisée, hein. Ok, ah, sa refonte a été supervisée par nul autre, Coratio Pagani, donc le créateur de Pagani, alors logiquement, si je comprends bien. Bon, bah écoutez, c'est une info assez sympa. Qui a fondé Pagani Automobile. Voilà, donc c'est bien ça. Bon, c'est cool. Fruit de décennies de développement, la Countach, ce modèle, offre une expérience de conduite particulièrement raffinée. Allez, on claque. Yes! Le monstre!
Alors, comment ça me fait prendre 2 points ça? Ok, on passe un petit point de collectionneur, c'est cool. Voilà, super. On continue. Donc ça, bah, je pourrais pas l'acheter malheureusement. Celle-là, bah, on va l'acheter. Voilà. 324 chevaux, la petite Nissan GT-R qui fait plaisir. Ok, bon bah ça. Le plus gros fail de ma vidéo, c'est que je puisse pas l'acheter. La Supra, les gars, je voulais l'acheter, je voulais en faire une vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur la Supra. N'hésitez pas à aller check un peu dans la playlist de Gran Turismo. J'ai déjà fait ma Supra, mais je voulais en faire une autre. Avec une autre livrée, tout ça, avec un autre. Bah, des autres réglages de moteur. Mais bon, tant pis. On va passer là-dessus. Ferrari. 512 bébés de 76 à 359 chevaux. Allez! Voilà, 300 000 balles, les potes. On claque, les gars, ce soir, on claque de la thune de ouf. Yes! On continue. Une petite Fairladies. C'est la 370Z, celle-là. 33 000 de crédit. Bon, bah, écoutez, 336 chevaux, ça va. Tac, 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 tac. 78 000 km. C'est vrai que je regarde pas du tout ça, mais bon. J'ai envie de dire, on s'en fout. Le jour où le moteur est mort, on le change, et puis voilà, c'est tout. Autant s'il faut, on peut les avoir beaucoup moins chers en neuf, hein, mais bon, je m'en fous. Alors, la SLR McLaren, donc là, pareil, une voiture à 500 000 balles, les potes. Ça picote, hein, une fois de plus, 86 000 km, ok, 625 chevaux. Je kiffe cette caisse, franchement, c'est vraiment une chouette caisse. Donc, allez, on claque. Oh là là, mes thunes sont, ont pris cher, hein. Elles ont pris cher quand même. Ouais. Allez, on continue. Bah les gars, j'ai envie de dire, c'est la dernière. Voilà, encore 400 000 balles, hein. Pouh, ça fait mal tout ça. NSX, 15 000 km. Allez, 288 chevaux, bah, on claque. Les gars, la dernière voiture à acheter. Boum! Yes! Et voilà, une voiture de plus dans le garage, donc c'est cool. Et voilà, on passe encore à un niveau supérieur. Super. Yes! Bon, bah les poteaux! Oh, je veux celle-là, je la veux, je la veux! Je la veux! Ajouter à la liste de souhaits, oui! Mais bon. Ah, oh, dommage, 180 000 balles en plus. Oh, quelle lose! Quelle lose, bah c'est pas grave, on a tout acheté les potes, on a tout acheté, tout, 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 tout. Donc ça fait combien de bagnoles? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 voitures en plus dans mon garage les potes, dans cette même vidéo, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir même, on va regarder ça de suite. Garage, bien joué, votre collection de voitures compte désormais 100 voitures, belle, c'est cool ça, c'est cool, c'est cool. Que de chemin parcouru depuis vos débuts, bien évidemment. Vous êtes en passe de devenir un collectionneur de légende, continuez comme ça, merci, merci. Et voilà, ah mais je les ai, ouais, 96 collections de voitures, bon, on n'y est pas tout à fait, bah si, on y est, au 100. Regardez en haut à droite, on y est. Alors pourquoi ils nous disent 96, ça je sais pas pourquoi. Bon, bah ça s'étoffe petit à petit les potes. Hein. On a encore 4 fois ça à acheter, sachant qu'il y a toutes les voitures, tous les véhicules de légende hein, qui valent extrêmement cher. Bon, bah écoutez, c'est cool, c'est cool. Je vais continuer à farmer et bah on continuera à acheter de nouveaux véhicules. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel véhicule vous voulez voir dans la prochaine vidéo, customisation et ses tests. Voilà, par contre, dans le Royaume-Uni, vous voyez, j'ai rien du tout. Ça me paraît bizarre d'ailleurs. Là, il y en a pas mal. Bon, ok, c'est cool. Bon, bah les potos, allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre donc, sur les réseaux sociaux, Instagram, Discord, ma chaîne Twitch, mes partenaires Instant Gaming, Burn Controller, vous avez tout dans la description. Instant Gaming, vous avez toujours 70% sur leur site, donc sur certains jeux. Vous avez les cartes PSN, les cartes Xbox Live à moindre coût là-bas. Et Burn Controller, vous avez bah, les manettes Burn Controller avec les palettes derrière. Voilà, manette PS5, boum. Spécial Burn Controller, les gars. Voilà, donc ça, c'est nickel. Hein. Si vous voulez faire... tac, passer les rapports là. Derrière, c'est vraiment le top. Passer les vitesses, donc plus ou moins. Bon, bref, vous m'avez compris. Les gars, allez, sur ce, je vous dis bon game à tous. Et à plus, les amis, à plus. Allez, ciao!